Vous êtes sur RTL. Je ne sais pas qui parmi vous veut nous lire la fable du lièvre et des grenouilles avant l'été. Avec joie. Alors peut-être on peut commencer par Ariel et puis continuer par Éric Logérias ou Muriel, vous l'essayez. Oui, un morceau, une cuisse de grenouille, je dirais. Merci Ariel. Alors ça, si vous voulez, je peux même commencer, voilà. Et ensuite Ariel chante. Alors voilà. D'accord. Voilà. Le lièvre et les grenouilles. Prenez note, ce sont vos cahiers de vacances pour les grosses têtes. Il y aura une interro après, faites des malins, vous allez voir. Ça va pas être le moment le plus agréable de l'émission, hein, faut le savoir, mais restez avec nous. Si, ça est l'extrait de Raph, j'aimerais bien qu'on rende hommage, d'ailleurs. De Monsieur Jean de La Fontaine, le lièvre et les grenouilles. Je m'ennuie déjà. Non. Alors, un lièvre en son gîte, songez. Car que faire en un gîte, à moins que l'on le songe. Dans un profond ennui, ce lièvre se plonge. Ah, songez, donc cet voulez... animal. Non, mais Ariel. Cet animal Ariel, est Ariel, 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 oui. Je suis obligé de t'arrêter parce que je n'ai pas compris, parce que tu as dit songez. Attends. Il s'agit de songez. Alors, songez. Bah oui, mais t'as dit songez. Alors moi, un lièvre en son gîte, songez. Oui. Donc je me dis, c'est EZ. Attends, mais je viens du Mexique. Je n'ai jamais su faire Et ben Bernard Henry m'a dit que c'était un souci en effet. Non, mais c'est vrai. Ariel, c'est pas faire. Non, mais tous les accents là. Ariel, dis le texte, je fais les verbes. Bon. Alors, cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur, toujours assaut divers. Voilà comment je vis. Me dites, m'empêche de dormir, sinon les yeux ouverts, corrigez-vous, dira ce qu'il y a de sa cervelle, la peur quand il n'y a pas. Non, il faut que ça soit, non. Les hommes ont peur comme moi, et cependant, en faisant le guet, il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien. Tout lui donnait la fièvre. C'est très beau, ça. Dans un instant, un truc intéressant sur RTL. Ah non, mais elle est belle, cette femme. Écoutez. Oui, mais on peut la lire chez soi, quoi. De là à se la taper en entier, je sais pas. Faut voir. Bon, alors, le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger bruit. Celui fut un signal pour s'enfuir de vers sa tanière et s'en alla passer sur le bord d'un étang. Grenouille aussitôt de sauter dans les ondes. Grenouille de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant qu'on m'en fait faire. Ma présence effraie aussi les gens. Je mets l'alarme au camp. Et d'où me vient cette vaillance ? Comment les animaux qui tremblent devant moi? Je suis donc un foudre de guerre. Il n'est, le je vois bien, si poltron sur la terre, qui ne puisse trouver un plus poltron que soi. Bravo! Bravo! Et il reste 3-4 personnes dans le public. Il y a eu 4 suicides quand même. Hein. Quelqu'un veut un flyer? Elle était un peu difficile à suivre. Oui. Ariel sera à Avignon tout l'été. Vous pouvez me la faire en allemand. Bitte, jawohl. Oui. Yeah, en plus court. Parce que sur les autres accents, on a toujours des plaintes. Oui. Mais les Allemands, ils se plaignent jamais. Ah non, depuis 45, ils ferment bien leur gueule, je peux dire. Ils nous font plus trop les malins, là. Alors ça, c'est pour Muriel. Hein, Der Schrumpf und die Kröken. Pourquoi? Ein Schrumpf und diese Strecke wird und die Strecken verfallen, das wird sich in Bremen. Nein, ich schrecke von der Strecke an die Wucht zu finden. Ha! Strecke finden! Und die Strecke! Bitte, Max! Bitte, Max! Und dann sind es Regeln, dass die Trento suche und die Stickel trecke, sind die Worte drehen. Bravo!